Non, j'ai passé le week-end en Suisse, bah, ça m'a fait bizarre de voir aucun gilet jaune sur les routes. Ah oui, y a pas de gilet jaune en Suisse. Bah tu vois, comme c'était une manif contre les taxes à la base, et vu qu'on a ni manif ni taxes, c'était un peu compliqué. Ouais, ils se feraient chier. Certains voient dans le succès du mouvement des Gilets jaunes le triomphe de la France périphérique, un concept sur lequel il nous a paru bon de revenir aujourd'hui. Le concept est de Christophe Guillouis, un géographe, et c'est d'ailleurs le titre d'un de ses bouquins sorti en 2014. Si vous voulez sortir du convenu, si vous voulez sortir du préconçu et des discours stéréotypés, il faut que vous lisiez ce livre. Si le concept a pas mal marché, c'est parce que, bon, il est simple à comprendre. Hein. D'un côté, il y a les gagnants de la mondialisation, ils habitent en ville. Genre nous, on a gagné la mondialisation. Mais oui, bah, t'habites en ville, t'as gagné la mondialisation. Trop bien, j'ai gagné la mondialisation. Cette nouvelle France d'en haut, qui n'est pas seulement les riches, hein. il y a les riches effectivement en haut, mais il y a aussi tous ceux finalement qui sont concentrés dans les grandes métropoles mondialisées, là où se trouve l'emploi, là où se trouvent les richesses, là où on a effectivement ces dernières années l'essentiel du PIB français qui est produit. Et cette nouvelle bourgeoisie-là, elle est effectivement aujourd'hui dans une logique finalement de laisser à l'écart tous les autres territoires de ce que j'appelle la France périphérique. La France périphérique, celle des petites villes, des zones rurales, des villes moyennes. Et dans la France de Guillouis, il n'y a pas les banlieues. Ah bah oui, bah ça c'est les bobos des villes, ça. Y a que les banlieues qui les intéressent. Ouais, ça... Alors pour parler des petits patelins, par contre, là, il n'y a plus personne. Cette France oubliée, marginalisée, bafouée, cette France du vrai peuple qui travaille et qui pourtant galère. La France des oubliés. La France des oubliés. La France des oubliés. Ah, c'est super. Alors moi j'ai les chiffres et je vois que dans les zones périurbaines, les revenus sont quand même un petit peu plus élevés qu'en ville ou en banlieue. Mais arrêtez avec les banlieues là, les bobos de merde! Non mais oui, d'accord, bon, on pourrait nuancer un poil. Il est vrai que les chercheurs qui se sont intéressés par exemple au profil économique des gilets jaunes montrent que ce ne sont pas forcément les couches les plus pauvres de la population. Oui, c'est assez raccord avec ce que nous on mesure dans nos enquêtes, alors non pas sur le profil des gilets jaunes eux-mêmes, mais sur les gens qui les soutiennent, c'est un petit peu différent. Mais on est bien sur... Cette France des fins de mois difficiles, qu'on pourrait qualifier de la petite classe moyenne, hein, c'est-à-dire ceux qui sont juste au niveau de la ligne de flottaison, au-dessus ou en dessous. Ce n'est pas les milieux les plus modestes et les plus pauvres, parce que ceux-là souvent n'ont même pas de véhicule. Mais quand même, c'est une catégorie qui est moquée, qui est touchée par la violence symbolique des urbains, qui est en pleine insécurité culturelle aussi. Ok, donc tu sais du Laurent Bouvet tranquille maintenant. Eh ben Bouvet, Michéa, Guillouis, tout ça, c'est très compatible. Hein, c'est... Bah t'es en train de devenir plus en plus Polonie compatible en fait. Quoi? C'est quoi le problème? Tu vois, c'est encore les banlieues, le racisme, mais arrêtez avec ça, c'est pas la vraie France! La vraie France, c'est la France périphérique! Guillouis et Michéa ont en commun d'être des auteurs qui se réclament de la gauche, mais qui sont très cités par l'extrême droite. La France des Gilets jaunes, c'est la France Johnny Hallyday, la France enracinée, la France qui ne demande qu'à travailler et à vivre des fruits de son travail, la France périphérique! Ces Français, ce ne sont ni les très aidés, où l'on retrouve les bataillons de l'immigration, ni les très aisés qui bénéficient de tous les cadeaux fiscaux de votre gouvernement. Le concept de France périphérique a donc l'avantage d'être simple, il mobilise des représentations convenues, comme le Petit Blanc, Aurel San, par exemple, et il repose sur des oppositions faciles à comprendre. Et donc ça plaît beaucoup aux médias. Bah oui, et surtout on comprend que l'extrême droite adore, parce que le concept de France périphérique permet surtout à la fin de dire « on s'en fout des banlieues ». Donc là c'est jackpot. Au moins quand on est en banlieue, on est là où ça se passe. Évidemment, c'est très dur, il n'y a pas de réseau, faut se bouger, etc. Tout ça est vrai. N'empêche que, même y compris quand on est en Seine-Saint-Denis, on est à 10 minutes du centre de Paris. Et quand vous êtes au fin fond de la Creuse ou à Saint-Dizier, là, ça devient très très complexe. Parce que tu peux dire du coup, oui, les bobos, ils sont obsédés par la question des minorités, du racisme, ils oublient les vraies classes populaires, ils sont dans le politiquement correct, bref, tu peux faire du Elisabeth Lévy, mais tout en disant que tu es de gauche, limite grand marxiste, tu cites Gramsci, alors qu'au fond, ce que tu dis, c'est du Trump. Guy lui a fait avec son concept et ses bouquins un véritable coup éditorial à l'époque, un coup médiatique aussi, ce géographe dépourvu de tout doctorat s'est vu invité partout, suscitant chez les géographes et les sociologues installés dans le milieu universitaire une certaine amertume. Son concept était vraisemblable, il répondait à une demande, et c'est vrai que c'est plus simple de parler de l'opposition entre les villes et les campagnes
que de s'embêter à mobiliser des concepts compliqués d'une sociologie chiante. Et peut-être chez les journalistes, c'est vrai, un petit sentiment de culpabilité, parce que c'est vrai que la France des zones commerciales et des ronds-points, c'est pas forcément leur tasse de thé. C'est vrai, ce qu'il reprochait à Guillouis, c'est son manque de finesse, parce que les classes sociales s'inscrivent dans l'espace, certes, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Chez les ruraux, il y a également des patrons, des médecins et même des populations qui viennent des banlieues et qui, pour l'équité, ont choisi de s'installer dans les zones pavillonnaires de la fameuse France périphérique. En somme, les campagnes ne sont pas composées uniquement d'ouvriers blancs, et il y a aussi de la pauvreté et des laissés pour compte en ville. Ici même, dans l'épisode sur la gentrification, on a vu que chaque ville se découpait déjà en quartiers, que chaque quartier avait sa sociologie propre. Alors venir dire « en ville, c'est les bourgeois éduqués, et en périphérie, c'est les ouvriers blancs », c'est sûr, c'est pas très fin. D'ailleurs, incroyable mais vrai, les populations éduquées, il y en a aussi dans les campagnes. Surprise, il y a des profs, il y a des médecins, il y a même les néo-ruraux, les bobos des champs. Quant à la question de la blanchité, les ouvriers blancs de la ruralité savent que ça fait longtemps que dans les usines, on a des collègues qui s'appellent Ahmed, Karima ou Moussa. Donc oui, les concepts de Guillouis sur le papier, c'est sympa, et puis ça ferait presque sérieux hein, pour des fachos qui lisent pas beaucoup de livres, par exemple. Bon, ça leur fait un truc un peu plus solide que le grand remplacement. Hein. Mais le problème, c'est que ces concepts sont simplistes, voire totalement faux, et ne permettent pas de comprendre certains aspects de la mobilisation des gilets jaunes. On y revient. Reprenant les grilles de lecture de Guillouis, certains médias n'ont pas hésité à affirmer sans preuve que les banlieues étaient absentes des mobilisations de gilets jaunes. Alors, outre le fait que personne n'avait appelé la France périphérique à rejoindre les émeutes de 2005, on a bien des représentants de la banlieue parmi les gilets jaunes. Et on est d'autant plus solidaires que dans ces quartiers, dans ces territoires sensibles, y a une concentration de populations qui sont pauvres en général. Vous savez, ici, on préfère les lectures à base de classe sociale. Hein, alors, troquer ça contre un truc vague à base de territoire, d'espace... En même temps, le mec est géographe. Oui, voilà, mais il y en a qui le prennent pour un sociologue. Ce qui ne l'est pas. Non, mais lui, il vend des bouquins. Contrairement à beaucoup de sociologues. Voilà. D'ailleurs, Guillouis sort un nouveau bouquin, là, No Society. Et il y a déjà eu dans Libé des papiers de gens, dont des chercheurs et des chercheuses, qui trouvent que ce concept de France périphérique est pris un peu trop au sérieux. C'est cette France périphérique-là qui manifeste, c'est elle, les gilets jaunes? Oui, on peut regarder les cartes, etc. Mais ne doutons pas qu'avec l'actualité gilets jaunes, le géographe le plus connu de France se retrouve sur beaucoup de plateaux, soit de plus en plus cité à la télé, à défaut d'être cité par ses confrères jaloux. Le démographe Hervé Lebras dit que la cartographie des gilets jaunes se situe autour de ce qu'il appelle la diagonale du vide, une zone rurale qui s'étend des Ardennes aux Pyrénées. Il dit que c'est cette zone rurale qui fait le gros des effectifs des gilets jaunes et pas les zones périurbaines. Oui, alors, vous êtes en désaccord avec lui? Oui, alors là on est vraiment dans le débat géographique. De toute façon ici on s'en fout, on ne se sent pas particulièrement visé par les accusations de Guillouis, nous on en parle des prolos. Nous. Non mais toi tu parles surtout des bourgeois. Oui, mais eux au moins on sait qui c'est. Puis tout le monde en a des bourgeois, même à la campagne, vous avez des bourgeois, donc allez-y, allez les emmerder, nous on fera pareil de notre côté, puis c'est mieux que de se sauter entre nous à la gorge, là, comme ça arrange qui à part les fachos et les bourgeois. À lundi prochain.